Ça a été l'école, Luna, la rentrée? Oui. Oui? C'était bien? Oh, Luna. Elle était contente de retrouver tous ses amis. Là, on va récupérer bébé à la crèche. Hop. Et moi, je galère, regardez. J'arrive à peine à ouvrir cet œil. J'ai toujours un truc. C'est pas avec la nouvelle année que ça va changer, entre la cicatrice ici. Maintenant, c'est l'œil qui s'ouvre plus. Hier, j'ai eu un truc dans l'œil, du coup, il a du mal à s'ouvrir. Voilà, les galères continuent, mais c'est des petites galères, donc ça va. Allez, on va chercher bébé. Coucou! Bonjour, ma vie! Merci, ma loulou! 27? Oui. Mmh. Oh, bravo Vito! Je suis là, mon cœur. Allez. Je suis là, mon doudou. Allez. Je suis là. Tu veux monter encore ou tu veux descendre? Hein? Tu veux monter? Oui, attention Luna, mon cœur. Et vous savez que moi, c'est vrai? Tu nous montres? Coucou Vito! Il est fier, hein? Il veut à tout prix mettre ce débardeur, mais il est trop petit. Maman! Tic. Coucou! Et toi, il veut manger quoi? Des la... Avec les baguettes! Des lasagnes avec des baguettes? J'ai fait des lasagnes parce qu'il voulait des lasagnes. Avec les baguettes, on va au Khalifa. Ah oui, avec les baguettes au restaurant au Burj Khalifa, tu as mangé. Au jour de l'an? Oui. Oui, je m'en rappelle, t'étais content. Avec la dame. Avec la dame qui dansait. Avec papa. Oui, avec papa, Luna et maman. Oui. T'avais fait la fête? Oui. C'était trop bien. Et t'avais les danseuses. Oui, et les danseuses. Elles étaient belles? Oui. Oui. Bon app. Attends, faut que maman elle coupe les lasagnes. Tu manges avec tes baguettes? Mais il y arrive en plus, hein. Et Luna aussi. Ils veulent manger avec des baguettes maintenant. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Les enfants sont au lit. Je vais maintenant manger, continuer de ranger et dormir. Et je voulais vous parler de l'offre. Hier, je vous en ai brièvement parlé. Vous aviez déjà moins 50% sur les échantillons sur le site ESN. Ils ont décidé de rajouter une offre supplémentaire pour bien démarrer l'année et pour être motivés pour réussir nos objectifs ensemble. Ils ont mis moins 25% sur les best-sellers. Les best-sellers, ce sont les meilleures ventes sur le site. Donc, vous avez le Flavin Testi que moi, j'aromatise avec mes fromages blancs. Vous pouvez faire avec les flocons, les œufs. Je mets aussi pour les enfants, ça leur fait un sirop sans sucre dans de l'eau. Vous avez toutes les whey, que ce soit Isoclear, Designer. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite astuce et vous donner quelques détails sur la protéine, quand et comment la prendre. Parce que ça, vous me demandez régulièrement. Donc, je vais vous donner la petite astuce, en tout cas, ce que moi, je fais au quotidien. Vous avez aussi moins 25% sur tout ce qui est complément comme les vitamines le matin que moi, je prends le stack athlète. Vous avez sur les oméga 3, sur le Flexpresso qui est protéines et café intégrés. Voilà, vous avez vraiment moins 25% sur les best-sellers. Donc, c'est le moment de faire le plein. Et je vais vous faire un petit questionnaire. J'aimerais bien savoir quel est votre objectif de l'année. Si c'est perdre du poids, si c'est prendre du muscle, être un peu plus tonique, garder le même poids mais être plus tonique. Et selon vos réponses, je vous donnerai des conseils sur quoi prendre sur le site, quoi prendre, quoi faire, les petits exercices que vous pouvez faire. Voilà, demain, je serai avec Maxime, donc on répondra à tout ça et je vous donnerai... On vous donnera, parce que bah, lui, il est vraiment calé, hein, il est coach sportif, donc il est calé sur le sujet, que ce soit l'alimentation ou le sport. Donc, on vous donnera des petits conseils en fonction de votre objectif, sur quoi apprendre, sur quoi faire. Et voilà, moi, je vais vous montrer aussi.
Parce que vous me demandez régulièrement la différence qu'il y a entre la designer whey protein et l'isoclear. Et ce que moi, je préfère. Alors, pour être honnête, de base, je ne suis pas très checker, protéine, etc. Donc, quand c'est dans le checker, et je vais vous montrer comment je le fais, et ça permet d'avoir toujours sa dose de protéines quotidienne. Donc, vous prenez, moi, je prends l'isoclear. L'isoclear, c'est sous forme de boisson aromatisée. Donc, c'est beaucoup plus léger, plus facile à boire. En tout cas, pour ma part, c'est plus léger, plus facile à digérer que la whey classique que vous connaissez, les shakers classiques. Donc, moi, quand c'est en shaker, c'est toujours de l'isoclear. Et je vais vous montrer la dose que je mets, combien mettre d'eau, etc. Parce que vous me demandez aussi. Et par contre, la designer whey protein, donc ça fait un petit peu sous forme, on va dire, de milkshake. Sachant bien sûr que c'est sans lactose. Mais ça, voilà, ça a un petit peu plus, en fait, la forme de milkshake. Alors que l'isoclear a la forme de boisson aromatisée, style iced tea, etc. Vous avez énormément de goût dans les deux. Et la designer whey protein, moi, je la mets le matin. Je la mélange avec les flocons, les myrtilles, le beurre de cacahuète. Donc voilà, vous avez plusieurs utilisations pour, encore une fois, respecter votre dose de protéines journalière. Donc vous avez, bien évidemment, quand je vous dis la dose de protéines, c'est des compléments. Parce qu'il nous faut plus de protéines que l'on ne croit pour que notre corps soit en bonne santé. Donc vous avez, bien sûr, la nourriture que vous mangez, comme la viande, le poisson, etc. Mais il faut cette dose supplémentaire pour avoir votre dose quotidienne. Donc ça, ce sont les petits plus qu'il faut ajouter dans vos habitudes. Et donc moi, je vous donne les petites astuces que moi, je... Donc pour la collation de 10 heures et pour le goûter de 4 heures, vous prenez un shaker. Ou alors la collation, vous pouvez faire ce que moi je fais, je vous le demande régulièrement. Mais si vous voulez faire un shaker, surtout si vous partez au travail, si vous partez au sport, si vous partez n'importe où, chercher les enfants ou autre, vous mettez une petite dose comme ça. Donc, il faut vraiment que ce soit rempli à ras-bord. Ça vous fait environ entre 20 et 25 grammes la dose, voilà, de protéines. Vous mettez comme ça. Moi, je referme comme ça et je garde, enfin, je ne mélange pas avec l'eau si je pars quelque part ou autre. Par contre, si je suis à la maison, je rajoute 250 ml d'eau. Donc, une dose complète, environ 20 à 25 grammes de protéines, plus 250 ml d'eau. Vous mélangez très, très bien pour éviter les grumeaux. Et voilà, ça vous fait votre dose et ça vous fait surtout votre petite boisson aromatisée, style, comme je vous l'ai dit, iced tea et autres, sauf que c'est sans sucre. Il y a de la protéine, ce n'est pas calorique. Voilà, donc c'est pour respecter votre dose journalière, ce qui est très important puisque la protéine, ça va nourrir vos muscles. Si vous voulez perdre ou prendre du poids, si vous n'avez pas de protéines, vos muscles vont être tout flasques. Donc, visuellement, vous n'allez pas être tonique, vous n'allez pas être ferme. Donc, c'est hyper, hyper important de respecter ça. Et encore une fois, pour ceux qui ne sont pas shakers classiques comme moi, l'isoclear, vous allez kiffer. Voilà, donc maintenant, je vais vous mettre le petit questionnaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui font le plein, qui testent n'importe quel produit, qui font une commande ce soir ou demain ou un autre jour, envoyez-moi votre panier. J'aime bien partager régulièrement et surtout, comme je vous l'ai dit, vous donner des conseils. N'hésitez pas d'ailleurs, avant de commander, si vous ne savez pas quoi prendre, quel goût, je le fais régulièrement, je conseille. Voilà, je conseille ma communauté sur quoi prendre s'ils veulent perdre du poids, être plus tonique, prendre du poids. Donc, n'hésitez pas, je réponds à toutes vos questions.